Le FPI, Front Populaire Ivoirien, a marqué sa volonté d'aller ensemble aux élections locales du 2 septembre dans le Zi avec le RHDP, Rassemblement des Ufotistes pour la démocratie et la paix. Toutes les instances du Front Populaire Ivoirien de la région du Zi invitent les camarades à continuer les échanges avec les responsables du RHDP dans le Zi pour parvenir à des listes communes. Le parti a pris cette décision samedi au cours d'une assemblée générale à la Maison des Jeunes de Demokro. Il a exhorté les fédérations à la recherche de consensus avec le parti au pouvoir pour aboutir à des listes communes. Le FPI s'est engagé dans cette voie, estimant que le développement du Zi nécessite l'union de tous les enfants de la région. Oui, ça va nécessiter beaucoup de sacrifices, mais ce n'est pas de trop pour la paix, ce n'est pas de trop pour le développement de Timo. Je pense que si on va aller au développement de Timo, à un moment, il faut se sacrifier. Sacrifier, c'est un privilège, c'est un égo. Certains de Gaulle, non, par exemple, nous sommes candidats, mais nous, on peut dire qu'on désiste au profit du candidat du RHDP. Tout ça, en rapport avec l'esprit du partenariat, a été signé depuis le 2 mai 2023. La délégation du RHDP présente à cette cérémonie était conduite par le départemental Yao Kouadio Séraphin. Celui-ci s'est réjoui du rapprochement des deux formations politiques, signe selon lui d'un avenir prometteur pour le Zi. C'est le fruit d'un partenariat. Donc si ce fruit-là se consolide par des choses concrètes, il n'y a pas de raison que véritablement il n'y ait pas un suivi. Donc moi je suis totalement confiant de ce que les élections qui vont arriver là, c'est dans la cohésion avec nos frères du FPI que nous allons batailler pour gagner ces élections.